je m'appelle Océane Grecassan, je suis lycéenne à la Plaine des Innes. On est champion de France de surf. C'était super, super émouvant. On a chanté même la Marseillaise. J'étais fière, j'ai dit à tout le monde à l'UEM, j'ai dit à tout le monde. T'as des vagues bien, des fois difficiles, on se casse la figure des fois. Pour moi, c'était la première fois. Au départ, j'étais du surf avec les professeurs. Faire beaucoup, beaucoup d'entraînement. Même nous, on rigolait parce qu'on s'est beaucoup cassé la figure. Ça fait plaisir montrer à des gens normaux, on est handicapé, on est quand même, on est là pour faire plaisir. Je m'appelle Maëlys Lacaberat, je suis au Collège Canteland. L'année dernière, avec l'UNSS, on a participé au championnat de France de course d'orientation, on a fini second. C'est la première fois qu'avec le collège, on y participait. Que le collège, juste, il allait au championnat de France de course d'orientation. Mais après, en soi, la compétition, c'est pas vraiment différent, quoi. C'est la même chose que départemental, juste il y a plus de niveaux. On a une carte, on doit, grâce à ces cartes, trouver des balises, des postes qui sont mis dans la forêt ou sur le terrain où on est. Et on doit les trouver le plus rapidement possible. Donc en fait, les championnats de France de course d'orientation, il y a deux épreuves. Il y a le relais et ensuite une au-score. Au-score, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de balises posées sur une carte à des endroits, mais il n'y a pas d'ordre imposé. Et donc le but, c'est d'en avoir le plus possible et on a un temps limite pour toutes les prendre. Je m'appelle Adrien Charia, je suis au lycée des Iris de Lormont, à Bordeaux. Ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe de CrossFit et de musculation. On est 3 dans l'équipe, 3 joueurs plus un arbitre. Chacun va passer sur tous les exercices de musculation et après, pour le CrossFit, en fait, on fait des relais. On a besoin d'évacuer. Et là, que ce soit la muscu ou même le CrossFit, c'est très bien fait pour ça. Après, comme je l'ai dit, c'est souvent par goût qu'on le fait. Donc l'année dernière, on est parti dans la ville de Cognac pour faire les championnats de France du NSS de CrossFit et musculation. On a eu le podium, on est arrivé 2e. C'est plutôt un bon résultat. On aurait aimé être premier, parce qu'il paraît qu'on n'est pas passé loin. C'est comme ça, on fera mieux la prochaine fois.